un homme de bien. Il faut qu'il vise le bien. Eh bien, tout cela, qui est uniquement de l'ordre des moyens et non pas des fins, amène Platon à dire que c'est bien la même phusis, le même naturel chez le philosophe et chez le tyran. C'est précisément la même nature, exactement la même nature. C'est-à-dire que la plus belle et la plus riche, la meilleure nature, la plus douée dans toutes les manières possibles, et la plus douée intellectuellement en particulier, pourra donner un tyran. On est toujours sur le plan où le meilleur et le pire sont possibles, si on est sur le plan de l'étude d'une nature humaine quelconque. Mais voilà qu'apparaît quelque chose de différent. Platon demande, ou plutôt Socrate demande à Adimante et à Glaucon, est-ce que tu crois qu'on peut devenir philosophe si on n'est pas capable de se laisser guider vers l'au-delà de tout ce qui est donné à nos sens, vers l'idée? C'est-à-dire, penses-tu que un homme qui croit à l'existence des choses belles et qui est incapable d'être dirigé vers le beau lui-même puisse jamais devenir philosophe? Par conséquent, il y a une aptitude à s'élever jusqu'à l'idée. Et c'est ça qui fait précisément le moment que j'appelle le moment kantien, le moment où apparaît la différence entre ce qui pourra devenir un tyran ou ce qui pourra devenir un philosophe roi. Celui qui pourra devenir le meilleur sera celui qui est capable de viser. Faites bien attention qu'il ne faut jamais dire vision, mais viser, hein, chez Platon. Blépagne pros, le regard dirigé vers ce qui n'est pas donné. C'est ça qui fait le vrai platonicien et c'est ça qui fait le vrai kantien. Pouvoir regarder dans le sens de l'idée, c'est-à-dire vers ce qui précisément ne peut jamais et en aucun cas être donné dans aucune expérience. C'est ça. Or, si le mot juste, c'est-à-dire si l'adjectif neutre, dikaion, substantivé, avec que toutes les valeurs ne sont pas autre chose chez Platon, des adjectifs neutres, des substantivés, tokalon, to dikaion, to ison, et finalement toutes les idées. Être capable de viser au-delà de tout ce qui est empiriquement donné, ce qui ne peut en aucun cas être donné, ce qui ne le sera jamais, en sorte qu'il est idiot et absurde de se demander si la cité juste est réalisable, bien sûr qu'elle ne l'est pas, et peu importe, ce n'est pas ça la question du tout. Si on n'est pas capable de regarder vers ce qui doit être et ce qui n'est jamais, or c'est ça l'idée platonicienne, alors on pourra devenir le pire des hommes, c'est-à-dire on est dans la caverne, le maître des apparences, le maître de la doxa, le maître de l'opinion, qui usera de tous ses talents pour devenir un tyran. Mais le philosophe roi est celui qui est capable de dépasser le monde des sens et de regarder vers l'idée. Mais c'est beaucoup plus que de dépasser le monde des sens. C'est celui qui est capable de comprendre que la seule chose importante et au fond la seule chose réelle n'est pas ce qui est mais ce qui doit être. Que le juste, autotodikaion, c'est-à-dire pas l'homme juste, mais le juste en soi, la pure essence du juste, c'est-à-dire ce que nous appellerons le droit, todikaion, a plus de réalité, puisqu'il n'y a plus de valeur, que toutes les injustices humaines. Et ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas le juste ici-bas, parmi les hommes ou dans les institutions, que le juste et le droit n'ont pas de sens. Par conséquent, ce qu'on appelle le sens de certains mots, comme celui de droit et de justice, est au-delà de toute expérience.
mais il est aussi ce qui nous permet, ce au nom de quoi nous pouvons porter des jugements de valeur. Évidemment, la grande question platonicienne, elle est kantienne. À quelles conditions puis-je dire ceci est juste, ceci ne l'est pas ? Si je me permets de dire ceci est juste, ceci ne l'est pas, c'est que j'ai l'idée du juste, l'idée du droit. Je peux me tromper sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ou je peux avoir une idée vraiment bizarre de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Je peux trouver juste de la peine de mort. Mais si j'ai l'idée du juste au nom de laquelle je la condamne ou je l'approuve, il y a en moi cette idée qui est la condition sans laquelle il n'y a pas de moralité, pour parler comme Kant. Alors, je m'excuse de balbutier sur ces grandes choses, mais en sortant d'ici, vous pouvez prendre la critique de la raison pure, puisqu'elle est en vente, là, et ouvrir la dialectique transcendantale, et là, vous verrez, en quelques lignes les plus belles qui soient dans toute l'histoire de la philosophie, ce que c'est que l'idée platonicienne. L'idée platonicienne est la plus belle chose du monde, et nous sommes tous platoniciens si nous savons mourir pour le droit, défendre des droits, penser qu'une chose est juste, une chose ne l'est pas. Et ce n'est pas parce que ça n'existe pas dans le monde que c'est moins vrai. Ça l'est d'autant plus. Or, cela, Kant le dit de manière admirable. Quand, au début de la dialectique transcendantale, il introduit le mot « idée » et trouve que ce mot est irremplaçable et qu'il faut faire bien attention de lui donner son sens platonicien. Et qu'il ne faut pas s'amuser à appeler idée n'importe quelle représentation. Et il dit une chose que je trouve si belle, dont je me suis toujours souvenue. « Je supplie, dit Kant, tous ceux qui sont attachés à la philosophie, de protéger, on a l'impression de donner asile à ce beau mot d'idée, en lui conservant son sens premier, qui est le sens platonicien. Tous ceux qui sont attachés à la philosophie, eh bien, une somme de ceux-là, peuvent lire ce que dit Kant, et Kant dit d'une manière si belle, parce que c'est ce qui, à travers les siècles, est le dialogue d'un philosophe avec un autre, il se sent le droit, lui, de comprendre Platon peut-être mieux qu'il ne s'est compris lui-même. Je trouve ça sublime. Personne n'a mieux compris l'idée platonicienne, mieux compris la différence qu'il pouvait y avoir entre le saint et le pire des pires criminels que Kant. Et c'est la seule réponse de la philosophie à ceux qui prétendent que l'essentiel, c'est l'efficacité, que tout est technaille, etc. C'est-à-dire que vous, si vous lisez le début du livre 2, vous vous souvenez, enfin vous verrez tout à l'heure si vous le lisez, que à la demande pressante de Glaucon et d'Adimante, Socrate ne sait pas quoi répondre, il est embarrassé, finalement il y répondra, il faudra attendre le livre 5 et le livre 6 pour qu'il commence à y répondre, il n'est pas encore devenu kantien. Au fond, il n'a pas de réponse. Il y a un grand désarroi devant cela. En quoi vraiment distinguer le meilleur du pire ? On distingue le meilleur du pire que en donnant un fondement rationnel, celui que Kant lui donne, à l'idée du juste, en faisant une idée de la raison, et ce n'est pas autre chose. Or, cela n'enlève rien à la beauté de l'idée qu'elle ne soit nulle part réalisée. Cela n'enlève rien à aucune idée platonicienne de ne pas exister. Elle n'est pas faite pour exister, elle ne peut absolument pas exister. Ça n'a rien à voir. Kant nous le dit avec une fermeté, une beauté qui n'est pas surpassable. Et finalement, si nous tous, les uns et les autres, nous sommes attachés à la philosophie, si elle a pour nous un sens, si nous tous, les uns et les autres, nous donnons un sens au mot « juste », au mot « droit », si nous sommes capables de mourir pour cela, eh bien nous sommes à la fois platoniciens et kantiens. Nous pouvons nous amuser, c'est une façon de parler, à écrire un dialogue des morts entre les deux, mais il est bien évident qu'ils sont d'accord comme aucun philosophe dans l'histoire de la philosophie n'a jamais été d'accord. Tout à fait. Bon, mais maintenant on n'est pas arrivé au plus sombre et au pire. Je ne sais pas si j'ai la force de le dire. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on ne peut pas ne pas être
platonicien et kantien à la fois. Et on est vraiment platonicien que si on l'est à la manière et dans la perspective qui est celle de Kant. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous attaché à la philosophie assez pour abriter, protéger avec amour ce beau mot d'idée et ne pas l'utiliser n'importe comment? Il n'y a pas d'idée du rouge, il n'y a pas d'idée de ceci, il prend des exemples, Kant, il n'y a pas d'idée du rouge. L'idée, il faut lui donner son sens platonicien et pas un autre. Et quand des musiciens vous parlent d'une idée musicale, je l'entends souvent et c'est très beau, ben en réalité c'est une idée platonicienne. Une vraie idée est toujours platonicienne. Alors, elle inspire et dirige la praxis, on est sur la poiesis, mais, et il ne faut pas s'étonner qu'on ne la trouve nulle part toute faite et qu'on n'arrive jamais à la réaliser parfaitement. Bon, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je ne suis pas très capable de le dire ce soir. Hein. Alors, on s'arrête là, si vous êtes d'accord. J'aurais pourtant bien voulu vous donner lecture de la fin de toute chose, telle que je l'ai écrite ces jours-ci. Mais je ne sais jamais où sont mes papiers, et je ne sais pas lire d'ailleurs. Je ne sais pas où c'est. Mais la fin de toute chose, chacun de nous peut s'exercer à le faire. Évidemment, la fin de toute chose, c'est quelque chose de terrible. Platon n'en parle pas comme ça, bien sûr. Mais la lecture de Platon nous incite à méditer sur quelque chose de terrible que l'exemple du XXe siècle nous rend très, très poignant et très vite. C'est finalement, c'est vrai depuis la Révolution française, les pires crimes ont été commis par des gens plus que bien, hein, des gens admirables. Alors, c'était pas tous, hein, on n'est pas nécessairement admirable parce qu'on a fait un crime. Mais évidemment, c'est pas seulement ça qui est intéressant, et c'est ça qui m'intéresse quand je lis Platon, quand je lis les lois, justement. Parce que c'est un fait que Platon est amené par une sorte de, j'oserais pas dire de logique interne, mais enfin c'est un peu ça quand même, et un peu amené, je ne sais pas si c'est malgré lui ou pas, à imaginer une cité dans les lois invivables. Une cité dans laquelle, c'est sûr, Socrate aurait pu la cider. Bon. Il est poussé par une logique interne, et une logique interne qui est belle parce que finalement c'est une sorte de cheminement de nécessité du logos qui l'amène finalement à concevoir le nomos de façon effrayante. Est-ce que c'est une logique interne? Ce qui est intéressant, c'est que comment, parce que ça, nous avons bien vu ça, comment ce qu'il y a de meilleur en nous tous, de meilleur en l'homme, les choses les plus hautes, le vrai, le bien, le beau, l'amour, tout ce que vous voulez de meilleur, bon, tout cela peut se retourner contre nous. On a trompé les hommes avec l'idée du vrai, on les a bernés avec des choses qui passaient pour vraies et qu'on imposait comme vraies au nom de la vérité. On a, au nom du bien, au nom du beau, fait le pire. On a tout vu dans ce domaine-là. Et c'est précisément parce que nous avons tout vu et que l'histoire humaine est effroyable, bien sûr, mais enfin, elle a été tellement dépassée au XXe siècle qu'on sait ce que ça veut dire. Bon, par conséquent, on est amené à se demander comment il pourrait se faire que cette chose extraordinaire, la seule valeur qu'est la pensée en l'homme, peut-être cela précisément qui est une lumière que l'être humain a allumée pour s'en brûler lui-même. Finalement, on peut se demander, puisque c'est un fait, que tout ce que nous avons trouvé de meilleur s'est retourné contre nous. Tout. Du moins, ça peut être encore pire d'ailleurs. Enfin, tout s'est retourné contre nous. Et qu'après tout,
cette chose à laquelle nous, les choses auxquelles nous tenons le plus, peut-être vont-elles disparaître pour toujours, après tout. Elles pourraient très bien disparaître pour toujours. Il pourrait se faire qu'il n'y ait plus d'art, plus de musique, plus de peinture, plus de philosophie. Ça peut s'imaginer très bien, et c'est même peut-être probable. Eh bien, est-ce que la pensée, dans la nuit de l'histoire, n'est pas cet éclair dans la nuit dont parle Plotin, qui en fait justement l'idée même, le modèle même de la beauté? Vous savez, j'aime beaucoup ce passage, parce que Plotin ne veut pas définir la beauté comme il est traditionnel de le faire chez les Grecs, par la proportion, par l'équilibre, par la raison. Il se demande si la chose la plus belle n'est peut-être... Qu'est-ce qui fait la beauté, demande-t-il, de l'éclair dans la nuit? Eh bien, l'idée ou la pensée humaine n'est peut-être dans la nuit de l'histoire du monde. Elle n'est peut-être, on ne sait jamais, qu'un éclair dans la nuit. Est-ce que, parce qu'elle n'est qu'un éclair dans la nuit, elle cesse d'être belle? Est-ce qu'elle cesse d'avoir de la valeur parce qu'elle n'est pas immortelle? Ben, je ne le pense pas du tout. Imaginez que l'humanité périsse, que la pensée, tout simplement, n'importe quelle pensée, n'existe plus, qu'il n'y ait plus personne pour penser, plus aucune âme pour penser quelque part dans l'immensité de l'univers. Est-ce que la pensée reste une... Est-ce que la pensée, est-ce que le droit, est-ce que l'idée cesse d'avoir une valeur parce qu'elles sont mortes? Mais je ne pense pas du tout. Je pense que si la fin radicale, la fin, la vraie fin de toute chose se produit, s'il n'y a plus quelque part dans l'univers un être pensant, ce n'est pas pour autant que ce que l'homme a pensé n'est pas ce qui... Ce n'est pas précisément la seule, les seules valeurs. Bon, je ne sais plus ce que j'ai écrit dans ma fin de toute chose. Je l'écrirai un jour et je le mettrai dans Corbillard Matin ou ailleurs. Mais évidemment, tout le monde était invité à méditer hier soir sur la fin de toute chose. Mais j'avais tellement de sujets de méditation à vous proposer ce soir que ça se bouscule et je ne sais plus à propos de justement tout ce qui a été lu. Alors, vous m'en voulez pas, on s'arrête là. C'est pas bien, ça n'a pas d'assise, mais c'est comme ça.